De Strasbourg à Bastia, en passant par Biarritz, on écoute tous. Daniel Morin. Absolument, et à Paris, on va s'arrêter quelques secondes car on vit peut-être nos dernières heures en tant que cité. Ce matin sur la capitale, c'est Armageddon, c'est la catastrophe. Plus de bus, plus de métro, plus de police, plus de pompiers. Il y a 1 cm de neige. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez derrière votre radio. J'ai passé le verglas et la neige, j'ai eu raison de nos installations sur le toit de Radio France, mais au cas où, je vais vous raconter l'enfer apocalyptique que nous vivons en ce moment. La nature se venge, elle paralyse Paris, la désolation est totale. À 5h45, quand je suis descendu pour prendre mon taxi, ce dernier s'était retourné. En freinant, il avait fait 5 tonneaux. Le chauffeur, je l'ai retrouvé congelé, moitié sorti du véhicule. Des corbeaux commençaient à le picorer. Quand j'ai vu sa main trembler, je me suis précipité. Ne bougez pas, je vais appeler les secours. C'est trop tard. Mes forces m'abandonnent. Non, non, tenez bon, j'appelle. Les communications ne passent plus, la neige recouvre les antennes. Oh mon Dieu. Vous êtes Daniel Morin de France Inter? Oui. Vous connaissez Eva Rock alors? Ah, malheureusement, oui, je la fréquente. C'est vrai ce que vous dites sur elle? Oh que oui, et encore, je dis pas tout. La vérité est bien pire, bien plus lugubre. Et Nicolas Demorand, vous le connaissez? Oui, oui, mais mal. Je gagne moins de 80 000 euros par mois, il me considère comme un sans-dents, il refuse de me côtoyer. Et Mathilde Munoz, elle est comment en vrai? Ah, Mathilde. Mathilde en vrai, elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse parce qu'elle est nature. Oui, elle n'est pas comme tous ces gens de médias, elle n'est pas dans les esbroufs. Mathilde, elle n'a pas attendu le mouvement woke pour s'affranchir. Mathilde, ça fait plus de 20 ans qu'elle ne s'épile pas les jambes et qu'elle est fière de sa petite moustache. Alors Mathilde, je peux vous dire que je l'adore. Et là, je parlais seul, le chauffeur était mort. Je décidais donc de prendre le chemin de la radio à pied. Le long du trajet, j'assistais au spectacle désolant de vélos, trottinettes encastrées dans des gens et de pigeons morts saisis en plein vol par les maudits flocons. Faut dire qu'apparaît 1 cm de neige, c'est la panique. Hein. On est en état d'alerte niveau catastrophe. La mort me guettait, je commençais à délirer. Je titubais en parlant seul à haute voix, de façon désordonnée. Ah, Rick Ciotti, pourquoi t'es méchant avec Rachida? Ah, Ouda Castera, arrête de dire de la merde. Attal, va ranger ta chambre. Anouchka, fous la paix au guépard. Anthony, ferme ta gueule. Et puis, dans un sursaut de survie, je me suis ressaisi. J'ai pété la vitrine d'une station essence, j'ai pris un bidon d'antigel, je l'ai bu cul sec. Et je me suis mis à courir, je progressais à vive allure. De la fumée sortait de mon nez. En chemin, je croisais une vieille femme à terre, les deux jambes brisées. Aidez-moi, monsieur, j'ai de la neige dans les poumons. Désolé, vieille femme, je peux pas, j'ai une chronique dans 7 minutes. Meurs en paix. Ah, enfin, j'aperçois la maison de la radio. Paris sous 1 cm de neige. J'espère qu'on va s'en sortir. Quant à lui, lui, bien sûr, on peut dire qu'il s'en est sorti. Notre voisin illustre dans la température corporelle avoisine les 50 degrés. Celui qu'on surnomme Nico Brasero. Alors, il a traversé Paris de façon magistrale en surf au milieu des badauds. Poussez-vous, merci, poussez-vous, écartez-vous, laissez passer la légende. L'info n'attend pas, dégagez les pauvres. En chemin, il a récupéré Aline qui l'attendait en bas de chez elle, blottie dans un sac Picard. Et Sonia qui frissonnait en s'agrippant au radiateur de son salon, la pauvre, elle n'a pas compris que pour que ça chauffe, faut que ça reste branché.